Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Un haul Bande Pretty, ça faisait un bail que je vous avais pas montré de haul Bande Pretty ou autre d'ongles. Mais pour plusieurs raisons, c'est que en général les produits que j'achète, je les prends sur AliExpress, donc vous les voyez sur mes hauls AliExpress. Donc pour celles qui ça peut intéresser, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et retrouver dans la playlist les hauls AliExpress. Et pour une autre raison, c'est qu'en ce moment, je commande pas mal de vernis VSP pour tout ce qui est nail art. Et vous les retrouvez dans les swatchs de Bande Pretty. Donc pareil, c'est des vidéos vraiment typiques swatch. Mais là, ça va faire deux bonnes commandes où j'ai acheté autre chose que des VSP. Donc là, je me suis dit, maintenant que j'ai regroupé plusieurs commandes, je vais pouvoir vous montrer les petites choses que j'ai achetées. Petit aparté aussi, vous pouvez trouver Bande Pretty sous deux plateformes, leur site classique, où là vous avez mon code promo, en espérant qu'il marche toujours, parce que ça c'était le code promo à l'époque que je faisais du partenariat avec eux. Je pense que le code marche toujours, vous avez le droit à 10% normalement. Maintenant je ne fais plus partie de leur partenariat, mais j'achète toujours chez eux. Pour dire que j'apprécie beaucoup cette marque. Mais c'est vrai que j'achète plus sur AliExpress. Vous trouvez aussi Bande Pretty sur AliExpress. Pourquoi? Parce que les prix sont quand même différents. C'est bizarre. Ils doivent, je sais pas, faire un tarif réduit. Je ne sais pas. Du coup, on y gagne un peu. Mais le souci, c'est que là, sur les commandes, ça va faire 3 commandes. Et sur les 3 commandes, eh bien, il manquait pas mal de choses. La première commande, il me manquait un vernis. La deuxième, il me manquait 3 vernis. Et là, celle que je viens de recevoir, eh bien, il me manque un vernis. Il me manque de l'eau de strass. Il me manque un foret. Ils se sont trompés sur un foret. Enfin bon, voilà, c'est pas terrible, terrible. Alors, ce qui est bien avec AliExpress, c'est que vous pouvez vachement bien communiquer avec le vendeur. Et si ça répond pas, litige. J'ai fait des litiges. Ils m'ont dit qu'ils m'ont renvoyé. J'attends toujours pour les deux premières commandes. Et là, je viens tout juste aujourd'hui même envoyer le mail, un petit courrier pour leur dire qu'il me manquait telle et telle affaire et que ça commençait à faire beaucoup, étant donné que je n'ai toujours pas reçu ce qui me manquait. Alors bon, bah. Donc je ne sais pas si je vais pas arrêter de commander sur AliExpress Bande Pretty, hein, je précise que pour Bande Pretty, et que je vais pas passer carrément directement comme d'habitude sur leur site. Peut-être qu'il y aura moins de soucis. Oui, alors là, on est début avril, on est en plein confinement, et là, coiffeur, la frange commence vraiment à être longue, et il va falloir que je me la coupe moi-même, parce que là, je commence à plus rien voir. Voilà, donc on y va, on va commencer. Alors, tout d'abord, j'ai pris deux limes à ongles. Il n'y a que deux, ouais, deux. Alors, quel grain ? Une 240, 320 et l'autre 80, 150. Car en règle générale, j'achète celle-là et c'est des grains 100, 180. C'est, on va dire, un peu les basiques. Donc maintenant, je vais les ouvrir parce que je ne les avais pas ouverts. J'attendais de vous filmer. Alors, c'est sympa. Hein. Franchement, l'emballage, pas mal. J'essayerai de vous retrouver les prix, les liens et tout si ça vous intéresse. Hop, alors la déco de la lime est sympa, moi j'aime bien quand il prête un petit peu un design sympatoche. Voilà, donc plus le grain est gros en chiffres, plus il est fin. Je sais pas si vous allez me comprendre, par exemple celle-là, cette lime-là va être beaucoup plus fine que celle-là, le 80 va être un grain beaucoup plus gros et donc va polir, va limer beaucoup plus fort. Va être plutôt intense. Voilà, donc la même. Et vous voyez, donc là c'est 150, le 160 est touché et là 180. Je ne sais pas si vous allez entendre. Voilà. Ben voilà, celle-là elle est vachement plus fort que celle-là qui est vachement plus douce. Et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des gros grains. Quand on veut par exemple polir son ongle pour enlever la couche d'opcot VSP avant de enlever à l'acétone votre vernis, ça fait gagner pas mal de temps. D'ailleurs à ce sujet,
Moi, je retire donc mon VSP là, je viens de le retirer. J'enlève avec le gros grain, j'essaye d'enlever la couche de top coat et après je plonge dans ma petite machine que vous voyez là. C'est pour dire que je viens juste de le faire pendant 10 minutes et impeccable. Si ça vous intéresse, j'essaierai de vous retrouver la vidéo avec cette petite machine. Vraiment, c'est top et ça, c'était sur AliExpress. Ça, c'est top. Ensuite, j'ai. Alors, ça, je vous montre. C'est un top coat mat qui rend vos vernis semi-permanents mat. Je vous l'ai montré au swatch, au deuxième swatch, je crois, troisième. Je vous le mettrai là. Je vous l'avais montré sur du rouge, il me semble, et impeccable. Il fonctionne. Rien à dire. Ensuite, j'ai repris les pop-it. Pour celles qui avaient vu ma vidéo, je teste le polygel ou l'acrygel, c'est la même chose. Je me disais que c'était pas mal de racheter un lot de pop-it pour me les façonner vraiment à ma taille. Donc, parce que c'est vrai que des fois, vous pouvez avoir un pop-it qui est un chouïa trop petit ou un chouïa trop grand. Et quand vous prenez la taille au-dessus, c'est pas toujours bon. Donc, je me suis dit, je vais en prendre plusieurs comme ça. Il y a une mouche qui m'énerve là. Comme ça, je pourrais le découper, le façonner vraiment à la taille précise de mes ongles. Comme c'est que pour moi, pourquoi pas. Ou même si je devais le faire à ma belle-mère ou quoi. J'ai un bon petit lot. Ouais. Parce que dans le kit que j'avais reçu, il n'y en avait pas des masses. Je crois qu'il y en avait pile de 10 ou 20. Mais étant donné que c'est réutilisable. Et j'ai pris ceci avec. C'est censé aider à... C'est une pince. À faire en sorte que le pop-it prend bien la forme de l'angle, sans doute. Je ne sais pas, je n'ai pas encore testé. Il me semble que c'est pour ça. Il faudra d'ailleurs que je m'y remette à cette technique. J'avais bien aimé, mais c'est pas évident. C'est comme tout en fait, il faut de l'entraînement. Ensuite, c'est quoi ça? Ah, ben oui, mais d'ailleurs, c'est le polygel. Ouais, je crois bien. Je vais l'ouvrir de toute façon. Il y a marqué UV extension gel, mais il me semble que c'est le polygel que j'avais pris en pot, puisque je l'ai là. Voilà, mon polygel, il est ici. Et c'est vrai qu'en tube, c'est vraiment pas pratique du tout, du tout. Bon, il y a le produit, mais alors, il faut presser, mais il faut avoir une force. Là, voilà, et comme c'est un petit pot, un petit tube, c'est pas évident. Donc je me suis dit, dans un pot comme ça, ça doit être plus facile de se servir de cette chose. Si j'arrive à ouvrir... Ouais, j'avais pris transparent pour pouvoir mettre de la couleur dessus, parce qu'en général, je vernis mes ongles. Hein. Mais vous avez le polygel qui est totalement... enfin, vous pouvez choisir les couleurs directement. Ça peut éviter de faire après, justement, une pose de vernis. Alors, ça colle énormément. Hein. J'en ai plein les doigts. Voilà. Donc, c'est censé ne pas couler. Ouais, ça coule pas. C'est vraiment très compact. Bon, il ne faut pas rester 3 heures comme ça, bien sûr. Mais ça tient bien. Voilà, donc je testerai celle-là. Sur, mais pour l'instant, pas mes ongles, parce qu'ils sont tous... tous bien, mais comme là bientôt je vais devoir faire peut-être des rallongements pour un mariage pour une cousine, du coup je vais m'entraîner sur des capsules ou des doigts d'entraînement. Et alors ceci, on le voit énormément et j'ai jamais osé sauter le pas, et puis je me suis dit allez, je vais tester ce truc là. C'est la poudre avec des produits qui vont avec. Donc là j'ai essayé, parce que c'est celle que je vais réaliser sur mes mains là après avoir filmé cette vidéo. Donc normalement ce test là vous l'aurez la semaine après le haul. Donc normalement, si j'ai bien compris, on pose la base, on trempe le doigt dans la poudre, on repose l'activation, on pose le top coat et terminé. Affaire à suivre, si c'est sympa, si c'est facile, si c'est... Je sais pas, je sais pas, parce que j'essaye de regarder un peu sur YouTube s'il y en avait qui avaient testé ce genre de choses. On en voit un peu partout, on voit beaucoup à l'étranger, pas trop de vidéos en français.
dont une en français, où alors elle n'était pas convaincue du tout, ça lui faisait des gros pâtés. Mais d'un côté, il lui demandait de faire plein de bases, on replonge, on remet une base, on replonge, on remet une base, on replonge. Donc forcément, ça lui fait un pâté énorme. Là, d'après ce que j'ai lu, les recommandations sur le lien du vendeur, il disait juste poser une couche de liaison. Donc je pense que c'est du primer, je sais pas. Ou poser la base, non mais il aurait dit base, couche de liaison, faudrait que je n'aille pas. Mettre la base, plonger, mettre l'activateur, le top coat est terminé. Et il paraît que ça tient bien et que c'est costaud. Ça, à voir. J'ai hâte de voir le résultat. Du coup, je sais pas si je vais faire un bonnet lard dessus ou cas où si ça tient pas bien et que je me sens pas fait chier pour rien. Après, j'ai reçu, alors ça sera pour l'année prochaine, des petits flocons de neige en doré. Oui, doré. Je réfléchissais en même temps à autre chose. Voilà, parce que je me suis dit cette année, quand j'ai fait les petites décos, mais il me manquait ça. Donc je me suis dit pour l'année prochaine, ça sera top. J'en ai reçu aussi de ce style-là. Voilà, donc ils sont peut-être un peu moins jolis que les autres. Et j'ai reçu... Donc c'est des petites décos, un peu de tout. Voilà, il y a des petits nœuds, il y a... je sais pas trop quoi. Ça, vous aurez le lien. Des petits rosaces, des petites arabesques... Enfin, c'est très très joli. Voilà, ça c'est sympa. Alors ça, une espèce de repousse cuticule, mais c'est pas un repousse cuticule d'ailleurs, je l'ai déjà testé. C'est quand justement vous enlevez votre VSP et que normalement donc vous faites tremper dans l'acétone, vous retirez et normalement vous avez votre VSP qui est tout boursouflé et tout prêt à retirer. Moi perso, je prends mon repousse cuticule classique et j'enlève comme ça et ça part. Et mais eux, ils ont très souvent ce petit outil là. Donc je me suis dit pourquoi pas tester ceci. Ouais, ça fonctionne, ça fonctionne. Voilà, c'est un gadget de plus. Et puis vous avez l'embout classique. Après, est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude d'utiliser l'autre, je préfère l'autre que ce système-là qui arrache un peu plus et qui aurait tendance à abîmer l'ongle. Il faudra que je reteste, c'est vrai que là je l'ai fait, j'ai oublié, j'ai tellement l'habitude de prendre mon repousse cuticule que... Et puis j'ai pris ceci, vous l'aviez vu sur AliExpress, je m'étais trompée de taille. J'avais pris trop petit pour les grandes plaques stamping, hop. Comme ceci par exemple, que vous avez la bordure blanche et que du coup ça ne rentrait pas en dimension avec celle que j'avais prise. Et là du coup c'est nickel, je vais pouvoir ranger tous mes plaques stamping bande pretty. Pas sûr que tout rentre dedans, je vous mettrai peut-être une petite vidéo de là ici, tout rangé. Et je vous mettrai si elles sont toutes rentrées ou s'il en manque. Hop, ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Alors, je vais vous montrer la dernière commande. J'ai reçu, alors, deux foils. Un peu marbré rose et marbré blanc-gris. Parce que ça, j'avais vu une vidéo qui passait sur Facebook. Vous savez, il y en a plein de tout et de rien sur Facebook. Mais là, c'était... Alors, je sais pas si j'arrive à retrouver la vidéo, je vous l'incrusterai par là. Mais dans la vidéo, il posait ce liquide-là. Il posait... Alors, je sais plus s'il catalysait ou quoi. Je sais plus. Ça fait tellement longtemps... Je pense qu'ils doivent catalyser parce qu'il y a marqué gel transparent, enfin bon bref. Ils posaient la feuille comme ça, ils retiraient et hop, magique, il y avait le dessin dessus. La mouche, elle me gonfle. Voilà. Donc je ne sais pas si vous m'avez compris, j'espère que je pourrai retrouver la vidéo, ça sera plus clair pour vous. Mais ça aussi, je pense que ça sera le prochain test, ça sera celui-là. Après la poudre, ça sera ça. Après, du coup, il me manquait les deux lots de strass
Mais j'en ai pris un que j'ai reçu en carrousel. Donc c'est des strass toutes couleurs argentées de tailles différentes. Voilà, ça c'est des classiques, ça sert toujours. Et ensuite, mais les forêts, alors je ne les ai pas encore testées. C'est des forêts un peu plus fins que ceux que j'avais achetés sur AliExpress, genre ceux-là. Là. Alors ceux-là, ils arrachent. Je le conseille vraiment pour ceux qui doivent enlever le gel. Oui, il faut polir fort. Mais sinon, attention. Et alors ceux-là, je vais toucher rien que au doigt. Ah ouais, c'est tout doux. Donc il y en avait, c'était vraiment genre pour polir l'ongle. C'est vraiment des tout doux, normalement. Mais bien sûr, ils se sont trompés. Donc vous aurez les liens si ça vous intéresse. Vous avez plein de formes différentes. Plein de formats. Vous voyez celui-là, hop, il est format plus petit. Je ne sais pas pourquoi je les remets dans les sachets, parce qu'après je vais les ranger. Vous voyez, là, le format est pareil, sauf que le grain est pas pareil. Pourtant, ouais, celui-là, il doit encore plus, moins être tout doux par rapport à celui-là. Je vais vite fait les tester, là. Ma ponceuse qui est encore opérationnelle ici. Et la dernière, c'est vraiment... Je vois pas trop la différence. Test. Alors, ça là, elle est vieille. Hein. Je crois que c'est sur AliExpress que je l'avais acheté, mais... Ouais, c'est vraiment pour polir. Ça... Bon, j'avais déjà limé mes ongles, ils sont prêts, donc... Ouais, c'est pas mal, celui-là, il polit bien. Je vais essayer vite fait une autre pour voir la différence, quand même. Celle-là, qui me paraît un peu plus rugueuse. Ouais, ça polit, c'est tout doux, hein. Bon, celui-là, il est un peu plus fort, en effet, parce que quand on frôle la peau, on le sent. Mais ouais, pour polir, après avoir enlevé, par exemple, votre VSP et tout, c'est toujours un petit peu collant, enfin, il reste un petit peu de matière, un petit peu granuleuse. Voilà, si vous n'avez pas envie de passer la lime, si vous voulez passer la ponceuse, ces grains sont très bien. Voilà, donc ma vidéo haul bande petit est terminée. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais je voulais vous montrer un petit peu les petits articles que j'avais reçus. Et puis je vais vous laisser sur ça. Et moi, je vais aller faire mon test sur la poudre en espérant que ça marche. Allez, bon week-end. Ciao.